salanga na kokakateo mabe na kubuya yango na kosala na bomoi nanga ya welimbisanga Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Tout ça qui n'a thème au tout ça au micro yo, na chapitre 2, tant que chapitre 2, tu peux se garder au thème tragédie. Négliger les saluts, une tragédie. Négliger les saluts, une tragédie. Ce qui montre à négliger salut oyo, à négliger makambu oyo, à négliger maloba ya nzambe, ce qui montre à négliger cette parole, Otozotanga Awa, Namukanda Hébreu, Balobi, Eza tragédie. Qu'entendez-vous par tragédie, Trobaki? Ce qui se termine par un événement funeste qui cause de la malheur, perte, la destruction. Ce qui consiste dans la tragédie, Eza que Okosu Kamabe. Ce qui oboi koyo kamalobanzambe oyo. Okosu Kama Mabe. Amen, amen. Tu ne peux pas réussir ta vie bien. Il y a des fois, on confond que si on a gagné l'argent dans ce monde, ou bien on est marié, on a réussi la vie. Tout cela qui la fois passée que ce n'est pas vrai. Vie, il y en a plusieurs chapitres. Il y a d'autres chapitres, il y a vie et qu'on commence à l'au-delà. On avait vu l'exemple du pauvre Lazare et de l'homme riche. Dans Katia Mukili, dans le chapitre. Il y a l'homme riche, on écrivait toujours des bonnes choses, des meilleures choses, à s'aller faire tel et simbi, à qui vous acheter les simba qui, tout, 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 tout. Maintenant, parce qu'il y a l'au-delà, Brambo est changé. Oh, à côté de la moto, côté à moto, côté à passi, pauvre Lazare, à côté à passi, passi, passi dans Mokili, et comme il y a comme côté à Malam. Amen, amen. Ça veut dire que notre histoire ne termine pas sur cette terre. Notre histoire continue. Et s'il faut servir Dieu, on ne le sert pas seulement pour ce monde. Parce qu'on connaît qu'il y a une promesse pour l'au-delà. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Dans le cas thème et la tragédie, on avait trouvé sorti d'autres thèmes. Mais aujourd'hui, nous avons pris ça, les trois raisons de la nécessité de recevoir Christ. Nous avons recevoir Christ et la tragédie. On a zoloba les trois raisons. Alléluia, alléluia. Les trois raisons de la nécessité de recevoir Christ. Ba raison misato oyo ezana tina pour que muntu nyonso ayamba Yesu. Ba raison oyo na repesa yo ezana misato. Dans ces raisons, eko sala vraiment que muntu nyonso ayamba Yesu. Normalement, je ne saurais pas donner toutes les trois raisons aujourd'hui. Na kiti oyo coach parce que na repé sa moko lelo awa na pesim ya mi balé na deuxième kit mais ça na pé vous ala pé attend na téléphone nayo muto alingi makamu na nzambe asaka ba effort eza yokola yote yoka ka soko une église awa soko yoki na église awa ici bible na nda ko tanga kate osaka jamais effort ya ko makamu na nzambe soki dia ozana nda ko na bino omuni ata ba tv ba che biso ole kisimba la moko otala kate na téléphone nayo atam ko lomoko te boyo vanda pe boyo na tala pe passer na mission nga makamuso batia kana za kana deuxième kit na kota raté premier kit na kota raté na kana za na pi kit 5 songolo pakala est-ce que makamu batia ko neza makamu otala kate okubana ko kama makamu ina cheve ina cheve ina cheve amen amen soko lingo yeba ça demande des efforts et des moyens aussi il faut vendre pe aussi téléphone nayo tuza na YouTube matin sto te ya ka batia kana YouTube. Pourquoi tu as peine à être au pasteur chaque camou? Au temps matin à dimanche, oh, matin à dimanche qui s'engole aux alakités, tu peux vérifier. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Les trois raisons de la nécessité de recevoir Christ. Dans le thème général, la tragédie. Là, je parle de trois raisons. Alléluia, alléluia. Nécessité de recevoir Christ. La première raison, c'est la nature de Jésus-Christ. La deuxième raison, c'est la certitude, il y a jugement. La troisième raison, c'est la confirmation de Dieu. Les trois raisons qui nécessitent que tu recevoir Jésus-Christ. La raison, c'est que tu as dit 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 que tu as
yali boso pona na tir na ye. Yami balé parce que solo solo toko samba. Bako sambi sabato. Dadi soki osali yango te, soko boy yango bako kanga yo na suka okota na prison ya enfer. Yami satu po nzambe ye moko azo confirmer yango. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Tous la première raison. La nature de Jésus-Christ. Nous allons nous candidat Hébreux chapitre 2, la première verset. La nature de Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur. Quand on parle de la nature de Jésus-Christ, par rapport à Hébreux chapitre 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Alléluia, alléluia. Quel rapport a-t-il entre ces versets na makambo ya natire à Jésus-Christ? Awa, chapitre 2 est bandi. Il y a Hébreux, chapitre 2 est bandi. Après, chapitre 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus attaché aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons pas emportés loin d'elles. Alléluia, alléluia. Babi yango et c'est grave, c'est pourquoi c'est ma baba teyibiso dans chapitre 1. Qu'est-ce qu'on nous a prêché dans chapitre 1? Dans chapitre 1, on nous a montré Jésus-Christ comme étant le Dieu créateur, l'héritier. Alléluia, alléluia. On nous a montré beaucoup de choses dans le chapitre 1. Et on va le dire par conséquent, c'est pourquoi, à partir de Makambo Boyoki dans le chapitre 1, amen, amen, et on s'en a que bon s'attacher. Alléluia, alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Qu'est-ce que nous avons entendu dans le chapitre 1? Dans le chapitre 1, nous avons dit que Jésus-Christ est lui-même le Fils de Dieu. Il est aussi l'héritier de toutes choses. Il est aussi le créateur de l'univers. C'est ça sa nature. On nous a expliqué dans le premier chapitre, il y a Bible Nayo. Il y a Hébreux chapitre 1, que Yesu azali le Fils de Dieu. Dans le premier chapitre, on nous a expliqué qu'il est l'héritier de toutes les choses. Amen, amen. Dans le premier chapitre, on nous a expliqué qu'il est le créateur de l'univers. Que biloko nyonso ekelami naye, yoka natir naye. Le Fils de Dieu, l'héritier de toutes choses, le Dieu est créateur. Alléluia, alléluia. Sur le chapitre 1, sur le verset 3, balobi, il est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de la nature divine. Babi, c'est lui qui reflète la gloire de Dieu. Et quand on parle de l'empreinte, l'icône, donc l'icône Yanzambe, c'est Jésus-Christ. C'est ça, cette nature ici. C'est lui qui soutient l'univers, qui purifie le péché. Alléluia, alléluia. Et qui est assis à la droite de la majesté, dans le lieu très haut. C'est quoi on dit? Par conséquent, si ma koyoka makambo oyo. Makambo nini? Makambo oyo ozoyoka ke Yesu azali mwana na nzambe. Hein? Yesu, c'est lui l'héritier de toutes choses. Soit bien héritier, c'est kolo biloko nyonso. Biloko nyonso eza ya ye. Amen, amen. Donc, le dernier, c'est l'héritier. Le père passe, le fils reste. C'est le fils qui devient l'héritier. Amen, amen. De toutes choses. Et le kola boyoka qui pèle sous ce qui est. Jésus-Christ, c'est lui-même le Dieu créateur. Amen, amen. Il est lui-même le Dieu créateur. Il est d'abord le fils. Il est l'héritier de toutes choses. Il est le créateur de l'univers. Alléluia, alléluia. Et ce n'est pas fini dans verset 3. Il y a chapitre 1, balobi. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Donc, si vous voulez voir Dieu, vous voulez voir la gloire de Dieu a été reflétée. Quand on dit le reflet, c'est-à-dire, il y a un monde. Amen, amen. Si on a la gloire en Zambé, il a reflété par Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen, amen. C'est comme le soleil
avec lumière non. On y a mon soleil, on commence jamais soleil, on retarde en côté, mais on commence quand même lumière, ils ont reflété. Alors tout le monde a tout le monde a lumière, ils ont reflété par le soleil. Alléluia, alléluia. C'est Jésus-Christ qui est la gloire. La gloire, les reflets de la gloire de Dieu. Et on dit l'empreinte de la nature divine. C'est-à-dire l'empreinte. On avait expliqué c'est l'empreinte. Babi, empreinte Zali, et l'eau où copie conforme. Amen, amen. Ce qui est copie conforme. Jésus-Christ est la copie conforme de Dieu. L'icône. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Ce qui est copie conforme. Yanzambe. On n'a pas fini par là. On dit aussi, c'est lui qui soutient l'univers, qui purifie du péché. C'est-à-dire, tout cet univers que nous voyons, toutes ces choses que nous vivons ici, tout ce qui est sur ce monde, sur cette terre, est en train d'être soutenu par qui? Jésus. Je crois que tu peux comprendre aujourd'hui, tu peux connaître Jésus autrement par rapport à ce que tu connaissais auparavant. Ce que tu comprenais par rapport au nom de Jésus-Christ auparavant. Tu peux le comprendre autrement. Comme le Fils de Dieu, comme l'héritier de toutes choses, comme le créateur de toutes choses, comme le reflet de Dieu, comme l'empreinte, l'icône de Dieu lui-même. Alléluia, alléluia. Alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Comme le soutien. Celui qui soutient quoi? L'univers. Alors, si toi tu existes aujourd'hui, si tu continues à respirer jusque-là, parce que tu es soutenu par qui? Jésus. Alléluia, alléluia. Si on regarde, on voit le soleil, on voit la lune, on voit le fleuve Congo, tout ce que nous voyons ici, c'est soutenu par qui? Jésus-Christ. C'est Jésus qui soutient toutes choses. Et il n'est pas n'importe qui, c'est lui qui purifie des péchés. Si tu as péché, la seule personne qui peut te purifier des péchés, c'est qui? Pas une autre personne. La seule personne, c'est Jésus-Christ. Et on a aussi compris qu'il est assis à la droite de la majesté divine, à la droite du Père, dans les lieux très hauts. Amen, amen. C'est-à-dire, avant d'y aller beaucoup, il y a papa, il y a Mobal. Nabisika bileki, Nicolo. Alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Et si vous avancez aussi dans le verset 4, chapitre 1, il y a Hébreu, verset 4 jusqu'à verset 7, il dit, les anges l'adorent et les servent. Jésus est adoré par même les anges. Il est servi par qui? Les anges. Adoré par les anges. Zambe akabulaka, honneur na yo, adoration na mutute. Amen, amen. Ce qui basa quoi adorer, c'est-à-dire yemo konzambe yewan. Amen, amen. Abi les anges l'adorent. Ce qui na 8 jusqu'à verset 12. Babi, il est le roi des rois et le seigneur de la création. Le Dieu immuable et éternel. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. On a compris ensemble avec vous que Jésus n'est pas n'importe qui. Le kola oyebi yeboye. Amen, amen. Le kola au comprendre Yesu kolo yeboye. Il faut s'attacher à lui. C'est la nécessité de croire en lui. C'est la nécessité d'aller vers lui. Ainsi, Christ qui pourrait vraiment rejeter, si Christ est ainsi, ce que Jésus-Christ a zaboyé, si vraiment Jésus-Christ est ainsi, qui pourrait rejeter un Christ pareil? Alléluia! Nani a koki kuboka Christ yaboyé. Oyo azali mukel na nyonso oyo asutenaka oyo mutu do nyonso ye nani akokubwaka mutu ya boyi zambe ya boyi. Haleluya. Ozali na obligation d'adhérer, d'accepter Christ. C'est la nécessité à cause de sa nature. Haleluya. Quelles sont des personnes qui pourraient rejeter un tel Christ? Dieu qui s'est incarné, qui est mort sur la croix à cause d'un péché. Un Dieu qui s'est incarné. Au coup, Christ a boy.
celui qui a tout créé, celui qui soutient tout, celui qui est capable de se faire dans la boconaye, où il a coupé une cruche pour la masumunayo, qui a payé notre dette, qui nous a réconciliés avec Dieu. Nanya kokozangak, akoboya Christaboy, celui qui nous a fait réconcilier avec Dieu. Celui qui nous bénit, qui nous remplit de joie. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole c'est la voix. Amen, amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et ça l'a boyé, et ça l'a mis. La parole là c'est Jésus. Amen, amen. Qui peut refuser un pareil? Qui peut le rejeter? Alléluia. Rejeter Christ, c'est carrément rejeter Dieu créateur. Alléluia. Oh, rejeter Dieu, c'est rejeter la raison même de notre existence. Si vous rejetez Dieu, vous rejetez votre raison d'existence. Le pourquoi de ta création. C'est Dieu qui t'a créé pour lui. Et si tu le rejettes, tu ne sais pas pourquoi tu devais encore vivre dans ce monde. Tu rejettes même ta raison de ton existence. Tu rejettes même la raison d'être. Comme tu vois, on avait parlé une fois de la raison, de la raison d'être, c'est la terre. Pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu m'a créé? Et quand vous rejetez Dieu, c'est fini. Vous avez déjà échoué d'avance. Alléluia. Vous devenez comme Juda. Jésus-Christ disait, Isaki mala mobota mate. Amen, amen. Rejeter un pareil Christ. Pourquoi? C'est-à-dire rejeter les dieux créateurs. Pourquoi vivre? Pourquoi être né dans ce monde? Pour rejeter un pareil Christ. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Vu la splendeur de la personne de Christ, on est insensé de rejeter le salut. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Vu la splendeur de la personne de Jésus-Christ, on est insensé, je le dis bien, insensé de lui rejeter. C'est-à-dire, Kobo Kayesu, Kobo Yakondimaye, Zabuzoba. Kosa la buzoba wana te. Yesu nde muto akela nyonso. Yesu nde nzambango. Mubiloko nyonso Yesu asteni na ye. Yesu nde muto apesa akimia. Yesu muto alungula masumu. Donc muto ya bongo. Balobi yo soko rejete ye. Obwa ki nzambe. So obwa ki nzambe. Obwa ki tina na yo kobota mana mokili. Parce que yo nzambe nde muto akela kyo. Akela kwa na ye. Une fois yo obwa ki nzambe. Osu echoué. Adi osali buzoba. Alléluia, alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il y a aujourd'hui bah, tu vas jouer à Christ. Bah, y a qui m'attire en Zambé. Bah, une église. Bah, Sambéli. Mais bah, jouer au côté de Karamanaïs. Jésus-Christ a besoin de quelqu'un qui peut s'attacher à lui personnellement. Personnellement, toi avec Jésus-Christ. Une fois, j'avais prêché en disant que Zélé à Lola, ils ont la porte mouquée, la porte qui est resserrée. On parle dans le livre de Matthieu. La porte ouana, bakotaka batumi balété, bakotaka na charge té. Donc, attaque bilamba moyo kota ezate. Amen, amen. Cette porte là est resserrée. On n'entre pas à deux. Seulement celle. Alléluia, alléluia. On n'ira pas au ciel avec sa femme et ses enfants. Non. On n'ira pas au ciel avec son mari. Non. Le ciel, ils allaient moutoua kotaka. Yemoko. Amen, amen. À cause de l'oukouta, au cause de la moisson de Yohana, au koutika la moisson de Kotilol. À cause de l'oukouta, au cause de la moubale de Yohana, au koutika la moubale de Kotilol. À cause de moi, à ce que conseil, tu es ma bouche, tu vas passer un conseil. À côté de la bouche, tu vas côté. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Quelle tragédie pour la bâtiment de voir Jésus-Christ. Alléluia. Quand j'avais commencé cette œuvre de Dieu,
Peut-être que tu m'as dit na bon marché. J'ai été visité par une dame. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un traversé ma problème. Il voulait abandonner le monde de Mokili. Le monde de la prostitution pour adhérer à Jésus-Christ. Il est venu me voir. On a eu un temps, on a causé longtemps. On m'a dit comment Jésus-Christ est bon. Comment Jésus est meilleur. Accepta qui. Avec passé, c'est pourquoi on a eu. On a eu plus pour bon de la ponangaï. Pour que nous ayons un assaï langaï. Tant que solo, on a eu ma discours, on a eu na posé une question. On a dit, madame, est-ce que vous avez un carnet na yo? Au Kumakaba Kombo ya Mibal. Vous avez un carnet parce qu'il attend qu'on a un téléphone, exact micro, parce que beaucoup de gens ont raté leur téléphone. Avec votre carnet là, qui veut le nom de Marie, Mibal, il a un Kumakaba Kombo na Bango, un numéro de téléphone. Ah oui, papa, on a un gros place, on a un sac. Ah d'accord. Est-ce que vous avez un carnet qui est carnet ou qui toko, le coup l'agenda, mon gros bien. Il y avait tous les noms, il y a Mibal, il y a un panaye. Les numéros de téléphone, tout ça. Là, il a posé un est-ce que tu peux accepter que toi, tu me bailles en haut? Abi, ah! Papa! Ah! Non, mais si on a tout bien, on a peur de bangonyo sauce. Abi, ah! Mais tu veux adhérer à Jésus-Christ, non? Ou yo quand on a eu bien, mais ah, vraiment, ce que vous me demandez là, là, c'est trop, hein, pasteur. Vous ne voyez pas que au lieu où vous dans un carnet na tombi na futa ndako ndenge nini na vivre ndenge nini pasteur abi tu vois que tu étais venu seulement au sambelaka to bonde la poana yo sala ba c'est vrai si on a manoko vanda mingi na église ba to bako kuya ona sala ba prière ata combien de jours la dame là avait cette envie là de venir prier chaque jour à sambela mais azaki prêtité d'abandonner quand on se pas quand on manage Jésus-Christ. Et ça, quand il y a un bateau parmi nous. Des fois, pour s'attacher à un tel Christ, il y a le prix à payer. Les gens ne veulent pas payer le prix. Les gens ne veulent pas. Le prix à payer, les gens disent non. Parce que c'est vraiment ok, mon cigaz. Il y avait un monsieur, sa femme priait avec nous. Je suis allé le voir. Il est même abana kulinga même qui a contre moi c'est na mutuka ah moi c'est assemblé ya zongaka. Aba moi c'est abana fou bosambela. Mutuka nzambete. Mais yé moko aya ko sambela ti. Un jour, je me suis dit je vais aller le prêcher. J'ai pris ma femme to singe rendez-vous to ko talaye. Quand je suis arrivé, on l'a trouvé chez lui. Il avait une belle vie. To andi ko solo. Nous l'avions proposé, s'il pourrait accepter, alléluia, d'accepter de devenir vraiment un chrétien. Papa, yo, des fois, il y a une église, au cabinet du pasteur Mbongo. Des fois, tout le monde a qui te fait les soucis d'amener tes enfants à l'église, d'amener ta femme à l'église. Pourquoi toi-même tu ne viens pas? Je veux que tu puisses aussi adhérer, que tu deviennes aussi un chrétien. Moi, mon bal a commis ma mort. Avec Pasteur Richard. Ah! Avant de regretter. Le col, il y a le col, il y a un dobo dans mon gong. Oh! Nakomeka. Ameke, une fois, il est venu, il a prié. Tant que je suis en aïe, souste. Non, le but est, Aza Mundjimi, la biso, comment aïe, souste. Regarde le côté là. Naké le sous. Moi, mon bal a tellement le gars, c'est papa. Nazo bo ande ko problème c'est vérité ngai na linga no ba sina no mukili makasi na se pela nanu tika ngala se pela nanu papa pona tika vi wana na banda ko sambela ka mbala moko boy na bo ndina za hypocrite lui quand même assez quand même sincère mais il y a combien des hypocrites ici alléluia Jésus-Christ a la pensée que le quoi toyoki qu'il est le créateur, le Dieu créateur, c'est lui, l'héritier de toutes choses. Alléluia, alléluia. C'est lui le Dieu qui soutient toutes choses.
C'est lui notre soutien. C'est lui qui nous purifie de péché. C'est lui qui s'est donné lui-même pour payer notre dette, pour nous donner la vie éternelle. Amen, amen. Il y a le prix à payer. Aligno mobimba. Amen, amen. Mais toujours des fois, on a quatre assemblées, ton yembi, ton sosa, ton ya, ton teyi, pas moussous, pas même bataille, pas moussous, pas même yembi, pas moussous, pas yamba protocole, pas moussous, pas yamba église chaque jour, pas moussous, pas yamba très gentil, n'a mis ce qu'on a bango batouboui, mais bandimela yé sous ma siate. Personnellement, dans le privé, regarde-toi. Est-ce que carnet na yo, ou tcha kombo mi bali, ou tumbango? Qu'on perd de la connaissance, qu'on perd de la maman, c'est belé. Au son, mais ça n'a encore tout le monde qui est à Noël. Que awa, calamité. Vous battez le carnet, on a un mot qui est gagné, moyen thé, attendez-moi le loco, coton à MPSA. Au bengi moi qui gagne, moyen thé, attendez-moi le loco, on a un MPSA. Au bengi moi qui gagne, coton, moi qui n'a un MPSA. Après, tu dis, yes, bolingo. Non, là, tu ne l'aimes pas. Alléluia, alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Là, vraiment, c'est un mensonge. Tu ne l'aimes pas. Amen, amen. Mon frère, les miels, regardez Hébreux chapitre 2, verset 1. Je vous avais dit une fois, l'histoire de mon toit qui n'est qu'une bilanga. A matin, en état, mon nain, à mon akik, ozo matana singa wana pona kunokata mbila mbila moko ezaki na zamba ya mulai makasi na sia mbila wana ezaki na banzete mosusu papa amati akomi likolo makasi na suka sima kubanda kokata mbila abando kata mbila akbeta machete boy abeti na singa na ye singa katani pa directement avant de quitter sans cynique, quand il a quitté comme matamoyente. Eh, ouh! Il faut que 6 000 ans étaient beaucoup. Mais ils étaient les alicolos! Papa, tel n'a pas été moussika. Donc, ce qu'on lâche, c'est Panzani. Maman, on va dire qu'on est. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Qui pourrait m'aider? Au secours, sauvez-moi! Après avoir plusieurs fois crié, Aoki Mungongo. Aoki Mutumoka Zobanae. Allô? Monsieur, je suis là. Tikananzete Kuna, lâche la main. Maintenant, je vais te secourir. Abi, c'est qui là? Abi, ah, c'est moi ton créateur. Toi qui? C'est moi Dieu. Ah, Yonzambe. Ah! Mais si Mbangana nous liboso, pour Nganza Nini, Natik. Il a dit non, Nganza a bon côté. Ngaï n'a pas si Mbayote pendant que vous avez eu le lâchez, Zete, Nganza Nini, Nayambayo. Alléluia. Il a dit débat. Non. Yo Simba n'a pas eu le Simbinga, après la Tiki Zete. Il a dit non. Manière nga salaka, isaka soki mutu a lâché loko mosusu nga yambie. Ti kanzete na yambayo. Papa oyo azo boya ko ti kanzete azo tingama. Ako sima kombe de jours. Amen amen. Ako sima kombe de heures. Alléluia alléluia. C'est ce qui se passe dans nos vies. Des fois nzamba lobi tu peux prendre la bonne décision, tu dis oui. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Est-ce qu'en coulisses, en secret, en privé, tu as pris la bonne décision? Peut-être non. Amen, amen. Peut-être non. Il y a des gens qui font des choses pour battre mon abango. 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 Battre mon abango.
vous êtes toujours attaché à l'eau comme un bé. Vous êtes encore l'acheter. Mais vous avez besoin de la main de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est la foi, pas la vie. La vie, c'est ce que vous voyez déjà. Alors, la foi, c'est ce que tu ne vois même pas. Tu pourrais croire. Tu peux croire que non. Zambaza. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Si tu le croyais, tu n'allais pas faire ce que tu fais. Si tu le fais, c'est parce que tu ne crois pas. Alléluia. Nous sommes allés à la télévision, même dans les réseaux sociaux. Atali carnet naye. Il y a ba kombo ya mibali ya batu. Il y a ba kombo ya nyonso ba chéri naye. Ou soit beti ngonga grand. Réaction ezali. Alors binon. A partir à matin à oyo. Franza pour yeso soutenir ngai. A tumbiango. Sans regretter. Alléluia. Tu peux te dire non. Ko banga lelo na tiki vi oyo. Yangaye na zaza na mosenga na ndako, pambula tambula tambula na luka nini. Non, j'ai pas une bonne décision. J'abandonne. Alléluia. Tu peux te dire ore na bala na za frère. Frère ou ngio bala 25 fiancés. C'est-à-dire aux andumba ou bien ngio bala. Nous la polygamie. Alléluia. Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais au juste? Est-ce que tu as tout droit dans ma cambole ensemble? Est-ce que tu as une décision à côté ou bien il y a eu un ensemble là pour mon angana longi? Mon frère, lisez les versets. Hébreux chapitre 2, le verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous avons emporté, c'est-à-dire, et qui m'a biso, tout comme ma musique na yango. Donc, ce qui est parole de Dieu, ça l'a attaché. Pas parce que vous êtes attaché, yo, comme une musique na parole, au banda ko yo comme alobana zabi, au kangami na ngote, au comme ma musique na yango, yango peut être calé musique. Alléluia, alléluia. Au comme emporté. Au comme ko ça l'effort pour comment je suis simba souté. Abanzambe za la bon. Soko ina mamuna nzambe, obandi ko tambula, obandi ko tambula, obandi ko tambula. Obandi négligence. Bandi ko négliger. Ozo négliger babi ko négliger sali oyo et comme le tragédie. Amen amen. Donc obandi ko négliger muke muke o négliger, o négliger, o négliger. Au comme o sala ka makambu nyonso, o sambela ka kitok. Ma mounios est comme une normale. L'ensemble est normal. On va nous sembler avec ma saï. Si on sembler le kimono et koti, on le vit dans la langue. Si on va langue, on sait que nous sommes normal, on koyi ba normal, on koubou ma normal, on sait ma benyons normal. Triknyons normal. Prière normal. Là, tu deviens déjà emporté loin de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que les versets tentent de nous dire. On va nous sembler un effort pour pousser. Vous savez ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Et si ce n'est pas parce que tu vas donner des choses aux pauvres, ce n'est pas parce que tu vas aller chercher de quoi de. Ok, non, non, non. Premièrement, Jésus, l'attachement à Jésus-Christ. Avant toute chose. Amen, amen. Amen. Il y a les vrais jeunes. Les vrais jeunes auxquels Dieu prend plaisir. Mais la première des choses, tu dois d'abord kotika mabe quand on a manana nzam. Bula munyosi oko sal. Ce qui on a Jésus-Christ osa kolé na Yesu te. Amen amen. Osa toujours maboko simba na nzete o djembe likolo. Alléluia alléluia. Et tous les carnets na ezak plein avec ba nonyonso osa protéger ngo place à ma lame. Alléluia. Parce que aujourd'hui, ma question est comment est craqué, hein? Na bengiye. Ah, na bomba carnet nanga awa. Au bombier on place la bombe bien, bombier quand il tac, ou bien non. Awa, on a mandé 100 000. Hôtel à Yesu, hein? Posé sur un salib bien té, on récupérer
Satan. Yesu akumona maele na yo. Akutike leo zonge la. Okoma vrai hypocrite. On vous prêche pour que vous puissiez être sauvés, aller au ciel. Amen, amen. On ne vous prêche pas pour vous akana mukili. Oyo, botelenga telengana mukolo ya suka ba beti ngonga gou. On se trouve en enfer. Enfer est vrai. Enfer est vrai. Batu boko enfer. Alléluia, alléluia. Je ne dois pas commencer à vous caresser, mes amis. Papa kolo mafuta yambali pamboli amen. Yesu azabolingo, Yesu atumbaka, Yesu abumaka. Amen, amen. Yesu ya siliki. Eloko mungu ko sika lokola aide. Yesu wa siki e kandeza suka ya makandeza Jésus-Christ. On l'appelle le lion, la tribu de quoi? Obiso ki lion tomboki. Amen, amen. Satan est un monstre. C'est Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Satan est un serpent, non? Serpent ancien, il y a dans le jardin d'Eden. Mais tant que nous avons un cane, il y a Moïse. Tu comprends que papa est un serpent, Dieu lui-même. Alléluia. Amen, amen. C'est le serpent qui a fait d'autres serpents. Souka Boa, c'est Dieu lui-même. Souka monstre. Amen, amen. Oya kela ba monstre, ya za souki se anan ya ba monstre. Soit siliki. Mboule beta batu baka nse ko kaoka e katate. J'ai encore commencé ma dire Seigneur, soit ton dimi mais rien. Ma e bandi e komi na genou. E komi na hanche. E za ko pousa tina kingo. Bato baka isi ke sko to sambela makasi abisi ko na ko ka priorité. Ya za so wa siki apesi mukongo. Ti e ko ti na zolo. Suke bungi. Mule silité e ko tiens ko beta. Amen amen. Dieu a entendu ko combien de jours? 40 jours. Dieu ne blague pas. Alléluia. Il faut prendre la bonne décision. Ti quand j'étais. Amen, amen, amen. Certes, tu veux avoir une très belle vie, tu es marié, oui. Tu quand j'étais, maman. Nous allons s'occuper de yo. Moi, la mobali, tu quand j'étais. Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Au cours de musique, ma voisin me cotique là. Au cours de musique, la rue à Mabé, ma musique va combiner avec pasteur. Mais ce qu'on t'a eu constaté, mais où t'as eu besoin, on est monté à bander l'église. On a levé à bander. Papa pasteur, à quoi papa pasteur à Bouzoba. Et comme il compte beaucoup moins, moyen bateau bateau. Mais c'est qui compte beaucoup, il y a Valère. Amen, amen. Si on t'appelle pasteur, tu ne pas n'importe qui. C'est comme un père, un berger, un dirigeant. C'est lui qui est en train de guider, un guide. Ou alors guider Batou. Ma commune va passer à l'élo. Kotoyo à Simbanzete. Kotoyo à Saïlanzam. Acclamé pour la gloire de notre Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 22. Yokande Salomon Zoloba. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Zala attentif à Maloba Yanzambe. Prêtez oreille à ma discours Yanzambe. Alléluia, alléluia. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Maloba Yanzambe, qui m'a mis sur naïoté. Discours Yanzambe, qui m'a mis sur naïoté. Garde-les dans le fond de ton cœur. Zoma kambo oyo, bomba na kati ya motema. Tala, mwen kote fou mwen ba karne wana. Bimisa ba karne. Zoma manzambe. Alléluia. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé. Amen, amen. Pour leur corps. Quand tu trouves la parole de Dieu, tu as trouvé la vie. Au courrier, ça ira. Même ceux qui ont marché les lotés. Yesu akota kote na yo, ba mwe ko changer. Ça sera une bonne santé pour toi. Amen, amen. Donc,
Munganga à cause à Tali à Zoumana Biloko Moussous, mais la parole de Dieu est qu'on va vivre na yo. On vivre na yo. Amen, amen. Tant au Munganga à Tali habite vraiment ce que je vois. Ah, clarté à Tali à Monitre. Mais toi seulement à cause de la parole de Dieu, tu pourras vivre. Alléluia, alléluia. Fais encore plus d'années que au Munganga Zolo. Seulement si tu as confiance en Dieu. Babi, la parole de Dieu, c'est une vie. Amen, amen. Une bénédiction. Zala attentif. Kotsango. Bomba yango. Ma kambwe kofunga ma poana yo. Lola, ya mukilan oyo. Zamba ufunlo ma porte. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Pour aller en enfer, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de ne rien faire. Pas aucun enfer. Les sommes monen oyo kosal, zia koboya kosal. Kosal est l'autre côté. Ça veut dire quoi? Bateau maloba na nzambe, oyoki. Osal na l'autre côté. Ovana. C'est ça les grands péchés que tu pourras faire. Bana nzambe alléluia. On te prêche la parole, tu écoutes, mais tu ne fais rien. C'est déjà au côté de l'enfer. Si quand j'étais au tiki na yote, quand j'ai mis dans zété, ah, il est passé en l'équisi. Tu as un bon année, mais tu as aussi un bilan bon année. Si quand j'étais, alors pour y aller à ton dit, avec comme tu quand j'étais. Au moins, tu as aussi répondre là. Alléluia. Il y a des réponses comme ça des fois dans le cœur des gens. Amen, amen. Habite là, aller à ton dit avec tu quand j'étais. Alléluia. Nga pena tika nzete po. Pour ça ta serviteur de Dieu na tika kinzete. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, les grands péchés que tu pourras faire pour ne pas aller au ciel, pour aller en enfer, c'est de ne rien faire. Négligence. Ou bani négligence. Ozo sala effort te po pratiquer parole de Dieu. Ici l'auditeur est encouragé à répondre en raison de la nature incomparable de Jésus-Christ. Nous, les auditeurs, toi et moi, nous avons entendu cette parole. La Bible nous encourage. Potoye bako toluka moyen, tonji ma Christ, à cause de la nature naïe, pour à n'importe qui te. Koboya Christ, c'est koboya ta raison d'être. Ça ne sert à rien ou exister. Pognon sur Costa de Bandi et chèque Tina Souka après au côté en fait la milinga. Amen, amen. Et tu vas commencer avec même ici au coup un peu milinga, monsieur Landio. Ah, milinga Landio au côté en continent faire ce milinga. N'est-ce pas si mille étaient wana au cosu au colemba. Malamo, tant aux ambas le bitika tika. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui, c'est ici les trois raisons. Les trois raisons qui nous sont données pour la nécessité à salut. On avait parlé de la nature de Jésus-Christ, la certitude du jugement et la confirmation de Dieu. Nous avons commencé par la nature de Jésus-Christ. On a dit qui est Jésus. Par nature, Jésus-Christ est Dieu, le Dieu créateur, qui soutient tout, qui pardonne. On a compris qu'on ne peut pas les rejeter. Si on les rejette, c'est-à-dire qu'on est insensé. Si vous les rejetez, vous n'avez pas une raison d'être. Ce qu'on rejette Jésus-Christ, on détruit Nyonso et Fosal. Alléluia, alléluia. On a compris que négligence. Il y a des gens qui parlent de Dieu, ils ont négligé et qu'on ne peut pas t'en faire. Si tu es vraiment négligent, on te prêche comme ça, ils ont un endroit qu'on est négligent. Amen, amen. Tu peux rentrer chez toi à la maison. Quand tu as l'album, il y a d'autres photos à Koulungo. Alléluia, alléluia. Quand tu as un répertoire à téléphone, il y a d'autres numéros à supprimer. Ça, je vais supprimer. Alléluia, alléluia. Hôtel n'a pas de mitié, n'a pas de mitié, oh, est-ce que
tu prends la bonne décision. Mais si tu es négligent, osons au lait normalement. C'est même normalement dans les alas. Salanga na kuka kateo Mabe na kubuya Yango na kusala Nabomo inanga Yawe limbisanga